trouvais que c'était important qu'un endroit comme ça existe, surtout dans ce quartier, qui est un quartier qui, historiquement, est un quartier d'artistes, de musiciens. Et les pièces qui sont entreposées ici sont des pièces de collection, certains des exemplaires uniques. C'est vraiment génial qu'ils soient mis à la disposition des yeux du public, des Parisiens et évidemment aussi des gens de passage dans le quartier. Et je sais s'il y en a. En fait, c'est ma femme qui m'avait parlé de ce musée et on est venu avec nos enfants le visiter. Et on a été enchantés parce que, en fait, on a eu des explications très détaillées, presque personnalisées, je dirais. Et les enfants ont pu voir finalement comment ça marchait le son avant. Donc on a appris les différences entre pathéphone, gramophone, grimophone. Voilà, donc ça nous a bien plu. On a passé une petite heure ici. On est enchantés. Il y a plein de vieilles machines qu'on peut écouter. Ça transporte dans le passé. Oui, c'est scotchant, c'est superbe. Oui, c'est vraiment dommage parce qu'il y a des modèles uniques. C'est vraiment le quartier pour soutenir ça. Puis mine de rien, dans ce quartier, il n'y a pas énormément de points de culture. Donc il faut le maintenir, c'est important. C'est toute une partie du patrimoine culturel français et mondial qui est menacée. Finalement, tout ça est issu d'un long passé. Puis comme je travaille pour la société Pathé, il y a aussi cette historique qui m'intéressait. Donc c'est bien si ça continue. Donc il faut qu'il soit le plus connu possible, voilà. Le vinyle revient beaucoup à la mode parce que justement on recherche les petits craquements, on recherche la matière. Et ici, là on est vraiment aux sources du vinyle. On comprend pourquoi ça a créé un tel engouement à l'époque. Et encore aujourd'hui c'est magique alors que pourtant ça date de plus d'un siècle. Et voilà, j'encourage tout le monde à venir visiter ce musée. Les enfants aiment bien aussi. Tu as bien aimé Ambre ? Oui. Bon ben voilà, c'est simple. Ce lieu est menacé. Donc, renseignez-vous, écrivez, envoyez des mails, venez au spectacle de façon à prouver la nécessité absolue de son existence. Merci.